오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Bon, ok, on a pris une bonne branlée cette fois-ci, mais à Séoul, les Coréens et Coréennes nous ont bien fait rêver. Et c'est ça qui est bon, et c'est ça qui portera au sommet ce bout de terrain asiatique, au climat hostile, étouffant en été, polaire en hiver, tellement inconnu du grand public, sauf ces guerres interminables, jusqu'aux Jeux Olympiques de 1988. Est resté un richissime secret hippique jusqu'à maintenant, devenu la 12e puissance économique du monde tout en subissant la menace permanente de se prendre une bonne grosse bombe atomique sur la gueule par ce délicat voisin du Nord. Et c'est donc en famille, dans un hippodrome tellement bien conçu qu'il devrait servir de modèle d'équilibre entre la sortie du dimanche et la joie de la flambe, que deux aventuriers français ont tenté leur chance dans la 2e édition de la Korea Cup dotée $1 million le 10 septembre 2017. Face à 50 000 spectateurs. 50 000, c'est juste 15 000 personnes de plus que d'habitude, en fait. À Séoul, pas de courses au quotidien. Non, ici, les courses, c'est la fête, évidemment, avec les petits-enfants et tout extra-extra. Les Français, une fois n'est pas coutume, aventuriers, tentent donc leur chance avec Nîmes, présenté par Julien Philippon, annoncé comme la 6e chance de la course par les pronostiqueurs locaux. Et Skipperia, une jument de quintet, scellée par Yann Barbereau, proposée, elle, sur place à 141 contre 1. En étant à l'autre bout du monde, je ne suis pas tendu. Je serais plus tendu sur un groupe 1 en France, mais non, je prends du plaisir, au contraire. J'en profite un peu plus, maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience, et j'en profite. Pour les courses internationales, tous les jockeys sont convoqués par les commissaires à un briefing juste avant de traverser le tunnel et d'entrer dans l'arène. On y va, hein. C'est toujours un moment particulier. Je crois que si on doit ressentir quelque chose, c'est un peu avant pour voir un peu comment les choses se présentent et après que le meilleur gagne. Ça fait quelque chose, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment, donc c'est plutôt excitant. La star locale, le 6999, fils d'Ecton Park, sait qu'il a théoriquement les Français à sa mesure. Au contraire, des Japonais. Ah, les terribles Japonais. Ils sont trop forts. L'an dernier, ils ont gagné la première Korea Cup avec Chrysolite. Le 10, de nouveau en lice avec le vieux Yuta Katake, toujours frais comme un sushi. Et puis aussi London Town. Le 11, soi-disant meilleur encore, d'après Julien Philippon, le seul qui a vraiment fait le papier, est monté par Yuzinara Iwata, petit mais costaud comme un pimousse pressé. Bon, re-hockey, en valeur théorique, les Japs avaient gagné avant la course. Et malgré les deux pires numéros à l'extérieur, ils avaient déjà gagné quelques foulées après le départ. London Town, le 11, en rouge, part à fond les ballons en tête, suivi par Chrysolite, le 10. La suite est simple, ils ne feront qu'augmenter leur avance, inondant leurs adversaires d'un verre de saké intraitable à chaque foulée supplémentaire. Bien parti, Nîmes, casaque verte et rouge, toque jaune, tient la route en face, malgré un rythme infernal dans lequel Skipperia ne parvient pas à rentrer. Brave mais battue, elle doit plier les Gaules, défaite. Nîmes se bat pour une place au moins, loin des Japonais, partis comme des samouraïs. Mais l'Américain Papa Shot, le 3 en blanc et noir, va tellement mieux que lui qu'il prendra la 3e place devant le champion coréen Triple Nine. Et c'est affreux, c'est horrible, ce rouge de Champlain qui vient taper Nîmes dans la dernière foulée pour la 5e place. C'est pas des courses évidentes, après la course a été très sélective. Le cheval fait ce qu'il peut, mais on a deux chevaux qui craquent un peu tôt devant nous, ce qui nous coûte certainement la 5e place, mais bon, le cheval court super, il a vraiment été dur jusqu'au bout, donc... Je suis vraiment ravi de sa performance. Je craignais de ne pas être dans la course depuis le départ et le vrai plaisir c'est qu'on y a vraiment cru, il avait vraiment beaucoup de gage. Je pense que j'ai vraiment rien à reprocher au cheval, c'est un merveilleux cheval. Mais c'est pas enfin voilà, c'est un niveau de groupe 1 et il est en dessous de ça. La pouliche sur une piste comme celle-ci n'a pas eu tout à fait ses aises. Elle n'a jamais été réellement en course. On a été très régulier. À mi-parcours, je suis déjà plus là. Je la force un peu à rester dans le coup pour essayer de garder le contact. J'ai rien en main et puis elle s'allonge pas.
Argue, re-argue. Une fois encore, notre fierté franchouillarde doit être ravalée. Mais bravo quand même aux Japonais qui méritent de gagner, tout simplement parce que, à part pour l'Arc de Triomphe, ce sont bien eux, les meilleurs. Je découvre cet hippodrome et je l'adore déjà. Je pense en plus que les courses coréennes vont beaucoup se développer. Bien sûr, je suis très fier pour mon pays, le Japon. Et ce genre de grande victoire internationale m'incite à faire toujours plus pour mon métier.